Allez, bonjour à tous, c'est Chiliax, alias Mister Six, pour un avant-vidéo, pardon. Donc, pour mon retour sur YouTube, je vais vous proposer donc une aventure sur le launcher Feed the Beast. Donc ça veut dire nourrir la bête, la brute. Donc aucun rapport avec ce qu'il y a, je pense, mais pour... Voilà, donc ils ont nommé ça comme ça. Donc là je suis sur le mode Feed the Beast, rien de plus simple, enfin sur le mode, sur le site, ouais, je sais pas ce que j'ai dit en fait, sur le site, donc rien de plus simple, donc feed-the-beast.com, donc rien de plus simple, vous allez tomber sur ce site. Donc dans ce launcher, c'est un launcher, donc c'est un nouveau Minecraft un peu, donc c'est le Minecraft de base ajouté à tous ces modes. Donc c'est juste énorme, donc qu'il doit y en avoir 36. Bon, là il montre les principaux, donc voilà, tout voilà. Donc là je crois pas qu'il y en a 36, mais c'est juste énorme. Donc dans les principaux il y a Bullcraft, Industrial Craft, Minecraft Forge, pas de bêtises, Advanced Machine, ensuite ouais, donc dans les utiles il y a Inventory Tricks qui range les inventaires, Rice Minimap qui est une map, ça je comprends pas à quoi ça sert. C'est ça sert à mettre des ruches d'abeilles. Ensuite il y en a des, je ne sais pas trop à quoi ça sert, Electra Biome, donc des nouveaux biomes, tout ce qui est un peu oups, qui concerne la forge, Toilette Prise, je sais pas ce que c'est, Thermal Expansion, tout ce qui est énergie thermale, Steve Kart, je sais pas ce que c'est, Ridecraft, c'était enfin plein de nouveaux minecart et rails comme inutile mais bien marrant, Portal, donc Obsidian Pressure Plate, donc voilà aussi. Et ensuite voilà, donc il n'y a rien de spécial. Donc soit vous allez arriver. Donc me revoilà, mon Google Chrome a crashé, a planté et ça m'a tout arrêté, donc tout le filmage. Donc on reprend. Donc pour télécharger le launcher, donc moi qui suis sur PC en tout cas, on penserait télécharger le download YAR, mais c'est download X. Ensuite normalement c'est aussi comme ça, c'est aussi pour Mac, aussi download X si je dis pas de bêtises, donc j'ai pas un Mac, mais voilà, donc je pourrais pas vous expliquer ça. Donc pour les PC c'est download X, pour les serveurs donc vous devez cliquer ici, ça vous donne tout ce qui est fichier pour le serveur, donc je sais pas comment ça marche. Donc quand sur Download X, donc ça vous suivez tout jusqu'à arriver à avoir un launcher. Donc je vous conseille de tout mettre dans un fichier, donc je l'ai mis là, donc c'est tout ouais, donc tout ça c'est tout ce qui est à partir du mode, et ça c'est un peu le point Minecraft, enfin c'est la même chose qu'il y a là-dedans, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous conseille de tout mettre là-dedans. Ensuite donc vous aurez ceci. Ceci donc c'est le launcher donc à la place de votre Minecraft. Donc si vous voulez jouer avec tous les modes, il faut cliquer sur celui-là et non pas sur celui-là. Donc en lançant celui-là, vous arrivez sur ça d'abord. Donc ça s'appelle la console. Donc c'est juste pour vous dire que ça s'est bien lancé, etc. Et donc vous touchez à rien là-dessus. Ensuite vous aurez cette deuxième partie-là. Donc là-dessus, vous devez créer un nouveau profil. Enfin, ensuite, en créant un nouveau profil, vous écrivez votre pseudo Minecraft. Donc ça s'écrit là avec votre mot de passe. Ça vous créera directement votre profil. Si jamais vous voulez jouer sur un serveur, directement depuis ce mode. Donc ici, on voit encore tous les autres modes qu'on n'a pas vu juste avant. Donc ils disent bien. Ah non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Donc combien on a?
Donc ensuite dans option, donc faut mettre en français, donc moi j'ai mis en français. Ici les RAM, donc c'est ils se mettent normalement automatiquement le RAM que vous pouvez. Pour ces mises à jour, c'est exactement comme le point Minecraft, enfin le Minecraft de base. Et tous les fichiers, donc ça, moi j'ai rien touché. Ensuite ça c'est rien d'important, donc si vous voulez faire chier à lire tout ça, pardon pour le chier, mais si vous voulez vous embêter à lire tout ça, bah lisez, c'est tout en anglais. Ici avant cette option, il n'y a rien à toucher normalement. Et mode pack, donc ça, map, ça je crois qu'il n'y a rien non plus. Et texture pack, si vous voulez, vous mettre des autres, mais moi je le laisse puisque je filme. Et normalement c'est tout bon, donc après vous n'avez plus qu'à mettre à lancer. Bon, des fois il y a des mises à jour qui se lancent. Donc ça arrive sur une sorte d'intro. C'est assez joli. Donc voilà, il y a le sorte de téléchargement qui s'enclenche. Et voilà. Donc ça ressemble exactement au Minecraft de base. Juste, j'attends juste que ça charge. Donc c'est assez long, hein. Pas la première fois, vous verrez, enfin chaque fois que vous lancez, c'est assez long puisqu'il doit charger tous les modes. Donc c'est bien Dire Wolf, donc si vous voulez rajouter vos maps, etc., transférer vos maps, rajouter des modes, ça je sais pas si c'est possible, mais c'est. Je veux pas essayer moi. Je trouve que ça va très bien comme ça. Donc c'est vraiment long, hein. Donc je vous l'ai dit. Pardon. Allez, allez. Et donc je vais aussi. J'espère que cette nouvelle aventure qui va sûrement se nommer, ah bon voilà, Minecraft Industry, va vous plaire. Donc c'est pas une série, enfin, qui est finie, qui va se finir. Enfin, elle va sûrement se finir un jour, mais elle va durer sûrement très longtemps. Donc chaque fois que je vais découvrir un nouveau truc, j'irai plus loin. Donc ça, normalement, je vais parler dans la vidéo. Donc ici, ils vous disent 57 modes loud et 57 sont actifs. Donc 57 modes qu'il y a. Mode pack, donc c'est un launcher ou un mode pack, vous appelez ça comme vous voulez. Le truc de base c'est Minecraft Forge et ensuite tout le reste, voilà. Donc, suite c'est exactement pareil. Donc, si vous voulez rajouter un texture pack, c'est pareil. Les modes, bon là il y a toute la mode, les modes, ce qu'il y a. Donc, je vous ai déjà dit les principaux, les options, voilà. Et ensuite, vous avez aussi même les serveurs si vous voulez. Et ensuite, voilà. Il n'y a rien qui change, donc à tout de suite pour le début de cette longue aventure qui vous attend, qui nous attend. Allez, à toutes. Salut à tous, c'est Chillax alias Mister6 pour une nouvelle vidéo, un début d'une nouvelle aventure sur Minecraft, plus précisément sur le launcher modpack FTB, donc Feed the Best. Donc cela veut dire nourrir la bête. La brute, mais bon, j'ai pas compris pourquoi, mais voilà. Donc normalement vous avez eu une vidéo de présentation un peu comment marche le mode et tout ce qu'il faut faire. Donc maintenant on va lancer un nouveau monde qu'on va nommer allez chez Liax en survival, ça c'est tout bon. Et donc on va faire des épisodes de 20 minutes, ça sera une série assez longue, un peu sorte de tuto pour vous expliquer un peu comment ça marche, tout ce qu'on peut y faire sur ce mode. Donc sur la vidéo de présentation, vous avez dû voir tous les modes qu'il y avait dessus. Donc franchement, c'est un bon mode pack que je vous conseille de télécharger. Il vous explique tout. Enfin, il regroupe pas mal de modes qui sont vraiment très utiles et voilà, avec lesquels on peut faire pas mal de choses. Donc déjà là on voit des arbres spéciales du mode. Et on va pouvoir se faire on va pas aller bien loin du trône, je pense, hein. C'est une jolie petite map. Assez jolie, ouais, quand même. Ah ouais, carrément, c'est joli ça. Bien, bien. Bon, moi je pense qu'on va rester par là pour se faire directement une petite maison, mais en fait non, on va peut-être pas passer par là. On va peut-être trouver un petit arbre. Parce que après ces arbres, ça fait des arbres volants et donc. C'est franchement pas super, donc on va essayer de partir un peu plus loin. Ah d'accord, donc déjà j'ai race minimap, too many items qui ne me sert pas. Regardez, je peux pas, ça me dit juste comment gros crafter certains, comment crafter les objets spéciaux.
Ah oui, mince, il faut que je me mette en amnésie, sensibilité. Pourquoi je suis. Ouais, bon, c'est pas grave. On descend un peu la musique et le son. Non, vous devriez bien m'entendre. La bride, c'est bon. Et voilà. Ah, pardon. Non, c'est bon. Excusez-moi. Donc, je sais pas pourquoi je reprends plein de petites pousses qui sont des pousses spéciales. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? J'ai encore jamais vu. Ok, bon, on va traverser. Hein. Donc la map a pas mal de peine à se charger quand même. Ça c'est habituel puisque c'est, y a plein de modes et donc les maps, c'est des maps un peu spéciales. Ah voilà, on va aller là-bas. Parfait. On aura un peu tout assez près et y a pas mal de lag au début d'une partie. Vous allez voir, c'est assez long à faire démarrer. Un bon monde, bien sympa. Ok, donc super, il y a même un début d'une rivière, ça peut être bien joli tout ça. Non, franchement là, ça pourrait être vraiment magnifique. Et on va faire une belle petite aventure qui va sûrement durer. Et donc c'est pour ça que je la reprends, parce que franchement je voulais partager ça avec vous. Et j'avais plus envie de faire des petites modes, des petites maps avec des modes, trucs tout simples et tout. Alors je me suis dit pourquoi pas faire ça. Donc, je pense pas être le premier à le faire, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous aurez vu moi. Ok, donc on commence direct par prendre du bois pour commencer sa petite maison. Donc, il faut que je me trouve un bois spécial, c'est le début de tout ce qu'il faut, quoi. C'est la base de ce modpack, sinon on peut rien faire sans. Donc, c'est un arbre noir avec des petites taches. Orange dessus, donc ça c'est la base de tout. What? Ouais, ok, donc ça c'est assez joli, hein, vous voyez. Donc il y a même des nouvelles fleurs, il y a de tout, c'est assez diversifié. Donc il faut vraiment que je trouve cet arbre avant de pouvoir continuer, sinon je vais me faire bip à tout chercher, à le chercher pendant des heures, et de le trouver maintenant. Bon, franchement, ça lag pas mal parce que je dois constamment rouvrir la map. Oh non, je crois que c'est un océan, ça va pas me plaire. Merde, pardon. Donc il faudrait vraiment trouver cet arbre. Ils sont vraiment rares, hein. Mais dès que vous en avez un, c'est tout bon normalement. Vous n'avez plus de problème. Ah, c'est quoi ça là-bas? Oui, on va aller par là-bas. Il semble bien cet arbre, mais c'est pas celui-là, hein. C'est un arbre comme les autres, c'est un tout petit. Donc c'est j'ai pas encore tout découvert et tout, mais ça va fur et à mesure. Donc là je vais bien vous présenter en gros. Ah voilà, parfait, c'est celui-là. Même j'en ai 3, 4. Ok, il y a même un loup. Ok, c'est parfait. Oh, il y a plein de poules. Bon bah, on va s'installer par ici, c'est parfait. Il y a même de l'eau à côté. Allez hop, on commence la petite aventure Minecraft. Bon, tout commence par une table de craft bien sûr. On va poser là. Ensuite, on va se faire un coffre directement. Mince, tac, tac. Donc, on fera donc, je sais pas si j'ai déjà dit, des épisodes de 20 minutes. Pas que ça vous embête trop. Donc, voilà. Donc, là, on fait un clic de droite. Non. Ah, ouais, mince. Donc, là, il faut juste se placer pour l'instant parce qu'il faudra un outil. C'est vrai, j'avais oublié. Pour pouvoir récolter ces trucs. Donc. Bien dur à le faire, mais pour l'instant je vais attendre que les pousses retombent, et aussi je vais directement me faire l'outil, comme ça je peux tous les récupérer. Non, c'est pas comme ça, faut encore un peu plus de bois. Tac, 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 voilà. Donc c'est une sorte de robinet, enfin c'est un truc comme pour récupérer l'érable des arbres. Est-ce qu'il y en a là-dessus? Non, il n'y en a pas. Je vais aussi le couper, sinon les feuilles ne vont pas tomber. Il faut des pousses, sinon ça sera la mort. Donc peut-être pourquoi pas se déplacer après. Regardez, donc clic droite et ça me donne de la résine que je vais poser là-dedans. Et ensuite je vais aussi poser cet arbre qui est très important, faut vraiment le garder. On va tout poser en fait. Ah voilà, j'ai eu une pousse, donc on va aller faire la petite récolte. Ah bah c'est beau par ici, petite récolte par ici. Voilà, tac.
Donc on va en faire pas mal de ces arbres. Donc on a déjà ouais, une dizaine de minutes de vidéo, donc ça passe très vite. Surtout une petite présentation, donc il faudrait peut-être que j'aille commencer à miner là. Donc on va déjà prendre un peu des arbres pour après pouvoir faire une maison par ici. Oula, et la foie commence déjà à descendre. Bon, j'ai pas mal de poulets que je vais essayer d'enfermer, je vais faire un petit élevage. Donc ça sera vraiment une grande aventure, elle va peut-être durer peut-être 30 épisodes, j'en sais rien. Mais petit à petit, dès que j'aurai j'aurai plus quoi vous dire, ben, je ferai une pause et dès que j'aurai découvert ce qu'il faut faire, et moi je continuerai. Donc franchement là j'ai retrouvé la motive à max en voyant pas mal de vidéos ces derniers temps. Franchement, ben, j'ai vu par exemple, si vous connaissez des vidéos de Zelvac, qui fait des bonnes vidéos, j'aime bien son humour aussi, donc allez le voir si ça vous plaît, enfin, si vous avez envie surtout. Et puis surtout lui qui m'a redonné la motive à faire ce genre de faire des vidéos, à refaire des vidéos. Mais pas mal de lag là, hein, mais bon, on va faire avec. C'est assez dur quand même. Donc vous inquiétez pas pour tout miner item, ça, hein, c'est je vous ai dit, ça va pas me servir à cheater, donc voilà. Alors, on va se faire directement une pioche. Ah oui, aussi, donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais un ordi, mais vraiment horrible. Donc, je crois que c'est. Je peux pas avoir pire. J'ai un ordi. Que personne peut avoir pire que ça. Donc, c'est un ordi qui surchauffe, mais vraiment un max. Et, perso, en tout cas, quand je faisais des vidéos, c'était vraiment le plus son, mais horrible qui vous sortait. Et ça, franchement, ça me déplaisait un peu, donc je me démerdais à votre faire cette vidéo pour réussir à pouvoir filmer. Et donc, je vous explique comment j'ai fait. Donc là, ce que vous voyez, vous, c'est sur mon ordi, donc c'est pas un problème. Sauf que moi, ce que je joue, moi là, je joue pas sur mon ordi, je joue sur ma télé. Et donc j'ai mis un câble HDMI pour relier les deux et voir l'écran de mon ordi sur ma télé. J'ai branché à ma parfait, on a déjà de l'aluminium que je ramasserai après parce que j'ai pas encore la bonne pioche. Ouais, donc j'ai branché aussi un clavier sur mon ordi, mon micro sur mon ordi, mais tout est assez grand comme câble pour pouvoir. Ouais, donc on voit plus rien là, même moi avec pourtant j'ai mis Bright à fond. Ok, c'est normal, c'est pas normal ça. Ah bon, pas parfait, on trouve plein de choses, hein. C'est du lead ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on remonte avec pas mal de lag, donc j'espère que ça va s'améliorer ça, parce que non, ça va pas le faire. On a déjà 15 cobbles, donc avec ça on va pouvoir se faire déjà un four. Il faudrait aussi des moutons pour pouvoir me faire un lit. Parce que sinon, si je meurs, mon respawn est vraiment trop loin. Du reste, je vais faire un truc. Hein. Je me permets. Tac. Open la noire. Cheat. Start la noire. Je me sens que c'est comme ça. Point. Point. Donc, normalement, si je meurs, c'est ici. Ouais, bon, voilà. Donc. Ma pioche en pierre avec laquelle je vais pouvoir. Ah mince, faut que je pose le four d'abord. Avec laquelle je vais pouvoir. Pouvoir aller miner normalement tout ce qui est là en bas. Donc, on va même aller plus vite. Hein. Alors. Ouais, normalement c'est bon là. Hop. Ah bah non, c'était pas du lead. J'ai confondu, c'est presque pareil, c'est la même couleur. Donc il y a des minerais de Bullcraft là-dedans, des minerais de. Non, pas de Bullcraft, enfin je sais pas d'où ils sortent, mais il y a plein de minerais différents. Il y a même des minerais. Comme l'aluminium, je sais pas encore à quoi il sert. Parce que c'est depuis la dernière mise à jour, donc. Ils viennent le rajouter, donc je sais pas encore trouver l'utilité à quoi ça sert. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, tout ça je le saurai bien assez vite. Donc la sortie elle est là. Voilà, comme ça, c'est bon. Je peux déjà remonter un peu. Il faudrait que j'aille chercher des torches pour que vous y voyez quelque chose et ça tombe déjà la nuit. Donc il y aura des mobs. Ça m'embête un peu. Non, ah bah parfait. 4 et 4. Ça me va me faire 16 torches. Parfait.
Ensuite, on va poser. Non, pas les torches. L'aluminium et l'apatite. Et voilà. Bon, on va déjà éclairer un peu par là. Il faudrait peut-être que je commence à faire ma maison. Donc, on va aller faire ça maintenant. Donc, ma maison, j'ai une petite idée pour la faire. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais je pense pas qu'on va la finir aujourd'hui. Donc, si je vois que c'est trop dur pour Peaceful pour le dernier, bah, je sais pas. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, je vais peut-être me mettre. Je veux dire, easy si c'est trop dur. Enfin, je vais mettre en Peaceful. Mais vous inquiétez pas, après ça va retourner. Sinon, j'aurai pas d'XP, j'aurai rien, etc. Donc, j'espère en tout cas que le son il est bon. Hein, parce que sinon, ça m'embêterait franchement. Donc, il me faut encore du bois blanc. Voilà. Et on est déjà bientôt à la fin. Donc, on est déjà à une quinzaine de minutes. Ça passe vraiment vite. Donc aujourd'hui je pourrais tourner qu'un épisode parce que après je dois aller travailler. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Alors que la prochaine fois je vais essayer de tourner 2 ou 3 épisodes à la suite, comme ça moi je suis rapide, même si je pourrais pas avoir vos retours en commentaire, mais au moins j'avancerai un peu plus vite. Je pourrais publier ça plus régulièrement. Donc c'est pas fixe hein, les horaires, c'est dès que j'ai une vidéo, j'ai. Si j'ai pas, ben j'ai pas. Donc en gros aussi sur ce mode c'est ce qu'on va utiliser surtout. Ah il y a la, c'est la neige hein. Ouais il y a la lave et tout. Oh, c'est bien là. Tout mélangé. Donc c'est que c'est un monde. Enfin c'est tout se marche à l'énergie, à l'électricité. Voilà donc derrière tout ça, comment on va fabriquer cette énergie, comment on va la prendre, comment on va fabriquer l'électricité aussi. Tout sera presque on peut magnétiser, enfin, industrialiser on va dire. Donc j'ai trop près des arbres. Hein. Ça peut le faire. Bon, on va se mettre par ici, ça va être très bien aller. On va même on a pas tiré un peu. Bon, je crois que je vais enlever le. Voilà, excuse-moi, mais j'allais mourir. Donc, on va commencer la maison par. Bon, pour l'instant, on va se mettre ça là. Ouais, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Donc ouais, tac. Je suis à. Ouais donc. On va se faire une assez grande maison quand même, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir mettre les coffres et tout. Parce qu'on aurait vraiment du chenil un peu partout. Ouais, bon, on va pas la faire non plus trop grande, hein. Voilà, et vous verrez la spécialité un peu, je vais faire une sorte de petite terrasse, hein. Ça me plaît vraiment ces terrasses ces temps-ci. Je ne fais que ça. Tac. C'est ici. Et on est déjà à la bonne hauteur. Donc voilà. Donc, allons en rechercher un peu. Ah oh, mais c'est beau là-bas, c'est vraiment le truc volcanique. Hein. Franchement, c'est beau ce que vous voyez là-bas. Donc. Aujourd'hui je pense qu'on va bientôt avoir fini, donc je vais peut-être faire un hors vidéo mais je pense pas. Au pire je ferai un épisode un peu plus loin la prochaine fois, mais pour l'instant là je vais laisser ça comme ça. Et bon bah l'aventure elle est lancée hein. Ça fait un moment que je réfléchis dans ma tête comment je vais la nommer du reste hein, parce que je ne l'ai même pas encore dit, donc vous avez dû voir dans le titre quand même, mais ça s'appelle Minecraft Industry. En français Minecraft Industry, et cela pourra vraiment changer au fil du temps. C'était un nom comme ça parce que je voulais au début l'appeler Industrial Craft, mais ça c'est bien un mode. Enfin, j'ai pas fait exprès, hein, mais voilà. Donc, ensuite, ma petite terrasse elle va passer là. Hop. Mince, oh là là, ça c'est le plus chiant, je crois. Sur cette nouvelle mise à jour, on peut pas mettre les. On peut que mettre les affaires comme ça, hop, et mince la terrasse va pas faire aussi grande. Il y a même des chiens, donc ça pourrait être vraiment très bien les chiens. Ah ouais, mince, il faut que je mette encore là en face. Il faudra aussi des pousses, donc on va les replanter un peu. On aura un peu des arbres aussi. Hein. Pousse n'importe où, mais c'est pas grave. Donc encore un arbre blanc vite fait.
Voilà toi. Donc on va bientôt se quitter sur cette magnifique début de maison. Donc, tout ce qui est minage, on ira faire la prochaine fois. Finir la maison et ensuite commencer. Donc l'énergie, ça va arriver bien plus tard. Il faut y avoir pas mal de ressources. Et le truc principal, c'est donc la résine. Donc vous avez bien vu comment j'ai fait. Donc, faut faire une sorte de robinet avec des planches de bois. Et donc regardez, par exemple, si je vous dis là, ça s'appelle. Bon, il faut l'écrire en anglais, je peux faire une recherche. Et ensuite, regardez, tac, je sais comment je peux lui faire, y faire. Donc ça me fait pas mal. Après, je vais faire ça, c'est la même chose, mais en électrique. Donc pour l'instant, j'ai pas d'électricité, donc je peux pas faire. Donc ici, 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 ici. Ah non, c'était ici, c'était ici. Et voilà, donc même, je crois. Ah non, pas le jour se lève, non. Donc on va se laisser sur cette belle vue magnifique, sur notre bout de notre bout de terre quoi, qui rentre dans la mer. C'est vraiment beau, hein. Je crois qu'on va bien s'amuser. Et pour moi, c'est un nouveau départ, on peut dire. Et j'espère que ça va vous plaire, hein, parce que franchement, c'est ce qui m'importe. Donc, j'ai déjà, je crois, 30 abonnés. Donc, franchement, vous me faites plaisir déjà, c'est déjà énorme. Me retrouver devant 30 personnes, pour moi, c'est déjà juste énorme. Je sais pas, j'essaie déjà de vous rendre compte de parler devant 30 personnes. C'est juste, franchement, c'est énorme quoi. Allez, à plus.